J'ai envie de t'embrasser, Sim. Écoute-moi, Akin, arrête tout ça. Je ne veux pas que tu m'embrasses, non. Tu m'as fait trop souffrir. Ramène-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Sim. Non, Kin, je t'ai dit non, tu me ramènes tout de suite. Salut, frérot, quoi de neuf? Bon, frérot, ça va pas trop. Tu sais que je me dispute souvent avec ma meuf, elle est trop jalouse. C'est pas possible. Ah ouais? Bon, allons s'asseoir pour discuter de tout ça. Bon, alors, frérot, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe avec ta meuf? Frérot, je te raconte même pas. Ma meuf est tellement jalouse. Elle fouille mon portable tous les jours. C'est un truc qui m'agace. Je commence à en avoir marre. Pauvre frérot. Allez, qui faut me tomber là? Franchement, le frangin, j'en ai marre. Mais et toi? Tu m'as même pas dit si t'as trouvé du boulot. Oui, frérot, en parlant de ça, j'ai trouvé du boulot. Donc, ça fait quelques mois que je travaille là. Je suis directeur au sein d'un showroom. Donc, ça se passe super bien, quoi. Ah ouais? Eh ben, dis donc. Eh ben, je suis félicitations pour toi, frérot. Frérot, j'ai quelque chose à te dire. Il y a quelqu'un qui me plaît énormément. Ah bon? Dis-moi, c'est qui? C'est ma patronne. Oui, sérieux, frérot, mais fais attention, tu viens de sortir dans une mouture très difficile. T'en fais pas, frérot, je vais pas faire le premier pas non plus, donc je vais travailler normalement et puis je vais oublier tout ça. Et frérot, en parlant de ça, il y a une beach party demain si tu l'as vu, ça te dit d'y aller? Ah non, frérot, désolé, mais je pourrais pas sortir. Ma meuf, elle est trop jalouse, donc je pourrais pas. Désolé, frérot. Bon, c'est pas grave, je vais appeler Nevi pour voir s'il veut venir dans la biche avec moi. Ok, frérot. Bon, je te laisse. Donc on se verra après. Et puis, fais attention à toi, frérot, ok? Pas de problème, ne t'inquiète pas. Tiens, et si j'appelais ma sœur? Allô, oui? Coucou, Sine, c'est moi. Mais bien sûr que je sais que c'est toi, Kanella. Puisque c'est écrit en gros devant moi, Kanella, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens en nouvelles? Mais bien sûr, je viens en nouvelles. Mais j'aurais aimé que tu me racontes tout ceci à la plage. Est-ce que ça te dit? Eh bien, Kanella, que veux-tu que je te dise? Ben, il ne s'est rien passé. Je l'ai repoussé, c'est tout. Il n'y a rien à dire à cela. Très bien, on se rejoint à la plage. Ok, génial. Ben, on se rejoint là-bas. Oh, ma petite Aurora, aujourd'hui, j'espère passer une bonne journée à la plage. Il fait tellement beau. Et le soleil, t'as vu comment il est éclatant? Wesh, qu'est-ce que ça cuisine là? Mais qu'est-ce qu'elle veut encore, cette fille? Qu'est-ce qu'elle veut? Si elle savait combien elle m'énerve! Gana, respire s'il te plaît. Respire et souris. Hello Elisa. Bonjour Elena, Elisa. Peut-être as-tu des choses à nous raconter? Ou alors as-tu découvert que la plage appartenait à Sim? Ou encore quoi d'autre? Bonjour les filles. Oh mais Dana, voyons. Mais qui te dit que je viens pour te parler de cette fille? Je viens d'arriver, voyons. Parfois, j'ai même l'impression que c'est moi qu'elle ne supporte pas. Bon, calmez-vous les filles. Alors Elisa, tu venais pour nous dire quoi? Mais non, voyons. Je viens juste pour vous poser une petite question. Je vois Kim depuis la dernière fois, toujours accolée cette fille. Mais j'aimerais bien savoir si vous savez ce qu'il y a entre eux. Tu me fais rigoler, Elisa. Mais tu sais, Elisa, nous ne savons pas tout le temps ce qui se passe dans la vie de cette fille, comme tu dis. Nous ne la surveillons pas. Mais Elisa, pourquoi ne vas-tu pas demander à Kim ce qui se passe entre lui et cette femme? Tiens, il est là-bas. Pourquoi tu nous demandes à nous? Au cas où il a écrit bureau de renseignement? Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'il y a, Dana? Tu es mal lunée aujourd'hui ou quoi? Écoute, Aurora, je pense que je vais m'en aller, hein. Dana, aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a, mais elle est insupportable. Ok, Elisa, on se voit plus tard.
Non, mais pourquoi veux-tu partir? Reste là, Elisa, puisque tu as tant de questions à poser. Tiens, regarde, il y a Canelia et aussi Finn. Tu poseras toutes les questions que tu veux savoir. Enfin, on arrive. J'espère me détendre aujourd'hui. Il fait vraiment très beau. Effectivement, il fait beau et il fait chaud. Bah, j'espère qu'on passera une bonne journée au moins. Hello tout le monde. Hello Sim. Hello Canelia. Alors comment ça va les filles? Eh bien, je vois que vous la coulez douce. Vous avez vos petits cocktails et puis voilà. Hein. Je vois que ça va bien pour vous. Hein. Moi, ça va. Mais je pourrais aller mieux. Mais que voulez-vous? On doit supporter certaines personnes. Ça va pour nous, t'inquiète pas. Mais tu connais déjà Dana. Elle a toujours quelque chose à dire. Enfin bref, passons. Sinon, et toi, Canelia, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Parle-moi un peu de toi. Ben moi, ça va, Dana. Je pense plutôt que c'est mon banquier qui doit pas être très content, vu les derniers achats que j'ai faits. Eh ben, Canelia, nous sommes deux. Puisque moi, non, parlons même pas. Je dépense. Et puis autre chose. Elisa, tu n'avais pas quelques petites questions à poser à Sim? Oh, mais Dana, lâche-moi un peu, t'es lourde. J'ai rien à dire à Sim, voyons. Ah là 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 là. Moi, j'ai bien cru que c'était le contraire. Depuis tout à l'heure, j'ai cru que tu avais quelque chose à lui demander. Ah là là. Oh là là. Ah, enfin, on est bien arrivé à la plage. Ah ouais, Poutou, on est bien arrivé. Hé, t'as pas vu qui est là? Ciné sa sœur. Maman, si tu savais à quel point je la kiffe. Ciné là? Intéressant. Intéressant? Ne me dis pas que tu es intéressé par Ciné. Tout à coup, il fait chaud, tu trouves pas? Ne change pas de sujet, je te pose une question. Oui, un peu, elle m'intéresse, mais sans plus quoi. Ah, Timal, on aurait dit que tu es déjà amoureux. Moi, je suis amoureux? On voit comment tu es en train de baver sous la sœur de Sin. Ah là là. Sinévi, on aurait dit que Sin a un problème avec King. Je vois que Sin le repousse à chaque fois là. Je vais aller voir. Ok, Poutou, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je vais aller prendre un bain et après, je vais aller discuter avec Anilia. Je la kiffe trop. Il t'arrive quoi, la King? Pourquoi est-ce que tu me bouscules et tu me colles comme ça? Sin, pourquoi tu réagis ainsi? Dis-le-moi tout de suite si tu veux plus de moi. Si tu veux plus que je sois dans ta vie. Je commence à en avoir marre. J'ai envie d'avoir une deuxième chance avec toi. Mais tu me fuis. Qu'est-ce que c'est quoi ton problème? Tu me sens quoi là, King? C'est quoi cette histoire que j'étais pas comme ça? Tu me fais quoi là, dis-moi? Je t'ai pourtant parlé. Alors dis-moi ce que tu me fais là. Sin, il se passe quoi là? T'as un problème avec lui? Et toi, fous-moi la paix. Je parle à Sin là, donc tu fermes ta gueule. Ok? Oh, tu te calmes là! Tu me prends pour qui? Pour ton gosse ou quoi? C'est quoi ton problème? King, c'est quoi ton problème, dis-moi? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu agresses les gens comme ça? Est-ce que tu penses que les autres sont responsables de ce qui t'arrive? Tu cries sur moi? Tu m'agresses? Tu agresses Will? Mais attends, t'as fumé ou quoi? Il faut que tu arrêtes! Mais franchement, tu commences à me saouler, j'en ai marre, je me casse! Attends, il se passe quoi là? King, mais quel problème a-t-on? Hein? Quel veau? Mais attends, tu t'es mal réveillé ou quoi? Tu arrives, tu agresses tout le monde? Mais quel problème a-t-on? Mais quel veau? Non mais ça va pas ou quoi? Non mais attends, non, mais tu vas devoir me donner des explications maintenant. Canela, j'ai pas envie de parler de ça. Fous-moi la paix. Aurora, qu'est-ce que c'est bon cette petite grillade? C'est vraiment délicieux. Il se passe quoi là-bas là? Il y a tellement de mouvements depuis tout à l'heure. J'avoue que c'est vraiment délicieux. Ah ouais, c'est vrai? Je me demande ce qui se passe. On ira aux nouvelles tout à l'heure. Bonjour Canelia, je peux me joindre à toi? J'ai l'impression que tu me fuis.
Salut toi. Effectivement, ce n'est qu'une impression, parce que je n'avais même pas remarqué que tu étais là. D'accord. Ça te dit que je t'offre un verre? Je n'ai pas besoin que tu m'offres de verre, car je suis déjà servie. Tu arrives trop tard. Canelia, j'aimerais bien discuter avec toi. Eh bien, discutons. Mais King, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai vu en train de t'embrouiller encore avec cette fille. Et puis tu t'es aussi embrouillé avec Will, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Bon, écoute, Elena, ne me fais pas me casser les couilles, s'il te plaît. Sin, c'est mon ex, donc j'ai le droit de faire ce que je veux, ok? Il ne vient pas me prendre la tête. Sin, c'est ton ex? Mais je t'imaginerai jamais avec une fille comme ça. Je t'aurais jamais imaginé avec ce genre de fille. Comment tu peux fréquenter une fille comme elle? Comment ça, une fille comme elle? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ton problème là? Tu veux me dire quoi là? Écoute Elisa, je ne suis pas sûr ça, donc lâche-moi. Alors frérot, bien ou quoi? Ouais, c'est là, après que j'ai menti à ma mère pour que je puisse aller à la plage. Enfin bref. Ok frérot, moi j'ai eu un petit problème avec un petit crétin, il s'appelle King. Le gars était agressif en faire signe, donc moi je suis intervenu, le gars voulait faire le show avec moi. Quel King? King le Caragis? Mon poteau? Franchement, je m'en bats les couilles, je sais pas si c'est ton poteau ou pas, mais c'est un gars qui s'appelle King là, un petit crétin là. Attends. Qu'est-ce qui se passe avec le gars là? Ce gars-là, c'est un petit connard. Je regarde et je vois qu'il est en train d'agresser Sin. Moi, je me suis dit que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Le gars veut faire le show avec moi. Oh, wow, doucement, frérot. Ne me dis pas que tu t'es embrouillé avec King. Mais c'est mon poteau en plus. Merde. Enfin, bref, il y a une soirée là. Donc, on va y aller et puis je vais me décompresser un petit peu. Je vois une chou là, yay yay, je vais lui proposer à danser. Ah là là, boy. Ah bon, j'ai vu s'ils nous font, je vais aller la voir. Oh les gars, qu'est-ce que vous êtes mignons. J'avoue que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment beau. Et puis Will, t'es vraiment un gars séduisant. Merci Dana. Si je te paie tant que ça, t'as quand même mangé. Coucou ma mignonne, tu m'accordes cette danse? Pourquoi tu es dans ton coin comme ça? Je suis assise, je ne suis pas dans mon coin comme tu le dis. Pourquoi? Tu voulais me parler? Oui, comme je t'ai vu toute seule là, donc je suis venue te voir pour savoir comment tu allais. Comme tu le constates, je vais bien. Et toi? Je vais bien, merci. En fait, je suis venue te parler pour te dire que je suis désolée pour le malentendu qu'il y a eu à la plage. Ne t'inquiète pas pour ça, je ne veux plus en parler. Essayons de passer une bonne soirée, tu veux bien? Effectivement, essayons de passer une bonne fin de soirée. En passant, tu es magnifique. Merci Will. Je dois avouer que tu es plutôt pas mal non plus. Je te remercie, Sin. Dis-moi, tu es la propriétaire de la room? Effectivement, je suis la propriétaire de ce club aussi. Oh là 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 là, mais dis-moi, combien de clubs as-tu comme ça? T'inquiète pas, tu le sauras bien assez tôt. Et puis tu découvriras bien des choses sur moi. J'ai bien hâte de te découvrir. Mademoiselle Sin, m'accordes-tu cette danse? Puisque nous sommes là pour danser, pourquoi pas?